Dans le monde entier, un enfant sur quatre vit dans un pays affecté par un conflit ou une catastrophe. Les filles et les garçons sont confrontés aux risques quotidiens qui menacent leur vie et leur santé physique et mentale future. Les communautés jouent un rôle essentiel dans la prévention et la réponse aux risques auxquels sont confrontés les enfants dans les contextes humanitaires. Bien que cela ne soit pas toujours visible aux acteurs de la protection de l'enfance, les communautés s'organisent de bien de manière pour promouvoir le bien-être des enfants et pour les protéger contre la violence, les mauvais traitements, la négligence et l'exploitation. En tant qu'acteurs de la protection de l'enfance, nous avons la responsabilité de travailler aux côtés des membres de la communauté dans leur réponse aux besoins des enfants. Prenez Nina par exemple. C'est une jeune fille de 14 ans qui a récemment été déplacée par un conflit et elle vit maintenant dans un camp. Nina aime le football, mais elle n'a pas joué depuis qu'elle a quitté sa maison. Un jour, Nina voit des enfants jouer au football dans un espace ouvert et elle a une idée. Elle rassemble un groupe d'amis et d'adultes disposés à la soutenir pour nettoyer le terrain et organiser des entraînements pour les enfants locaux. Bientôt, Nina, ses amis et plusieurs membres de la communauté encadrent deux équipes. Ils n'ont pas grand-chose, mais tous les jours, Nina attend les entraînements avec impatience et les enfants adorent ça aussi. À leur arrivée au camp, les acteurs de la protection de l'enfance ont rapidement abordé les problèmes de santé mentale, mettant en place des espaces sur ce même terrain et ils emploient des facilitateurs de l'extérieur de la communauté. Nina et ses amis sont confus et déçus de perdre leur espace, mais ils ne savent pas vers qui se tourner. Comment les acteurs de la protection de l'enfance pourraient-ils utiliser une approche communautaire plus forte? En 2019, l'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire a publié une édition révisée des standards minimums. Norme 17. Les approches au niveau communautaire décrivent les mesures clés et les notes d'orientation pour s'assurer que les enfants vivent dans des communautés qui favorisent leur bien-être et préviennent et réagissent à la violence, au mauvais traitement, à la négligence et à l'exploitation des enfants. Bien qu'il n'existe pas de modèle unique, la norme 17 décrit les principales actions et orientations pour travailler aux côtés des communautés. Ces actions comprennent la réalisation d'une analyse contextuelle pour mieux comprendre les normes sociales et les attitudes envers les enfants de la communauté et identifier les sources potentielles de risques qui peuvent entraver l'intérêt supérieur des enfants. La norme 17 dit que nous devons établir des relations avec les membres de la communauté, les soignants et les enfants comme Nina qui font la promotion des droits de l'enfant, de leur épanouissement et de leur bien-être. Cela nous aidera conjointement à identifier ceux qui jouent un rôle important dans la protection des enfants, à prioriser et à traiter les questions de protection de l'enfance, à définir les responsabilités en matière d'action au niveau communautaire et à mieux soutenir les enfants et les familles à risque. Maintenant, revenons aux acteurs de la protection de l'enfance dans le camp de Nina. Imaginez qu'ils aient utilisé des stratégies de communication adaptées aux enfants pour écouter et comprendre ce que Nina, ses amis et les membres de la communauté avaient commencé. En reconnaissant le travail incroyable que Nina a accompli et en lui demandant ce qu'ils peuvent faire pour mieux soutenir les enfants de sa communauté, Nina ressent un sentiment de satisfaction et d'appartenance. Grâce à une relation de confiance, les acteurs de la protection de l'enfance aident Nina et sa communauté à développer son projet. Les actions minimales de la norme 17 encouragent la collaboration avec les membres de la communauté et les enfants. Ce qui nous aide à identifier les stratégies de protection qui marchent, à trouver des domaines à améliorer, à obtenir des feedbacks pendant et après la réponse et à ajuster les activités là où nous devons le faire. Cela nous donne une meilleure chance de soutenir des solutions communautaires qui protègent vraiment les enfants.